Bonsoir, tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit retour de course. Voilà, il n'y a pas grand chose, mais j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Voilà, il y a du Lidl et du Intermarché. Par contre, vous m'excuserez d'avance, mais j'ai pas gardé d'étiquette car je sais même pas où c'est que j'ai mis, peut-être dans mon porte-monnaie. Là, j'ai pas envie d'aller chercher. Concrètement, voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris dans les deux magasins. Si vous entendez du bruit, de l'eau qui coule, en fait, c'est la fontaine du chat. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, tout va bien. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vous montre tout, frais, pas frais, comme ça après. Moi, je rangerai derrière. Et puis voilà. Bon, je commence tout de suite la vidéo, comme ça. Et bien, c'est parti! Donc c'est mélangé, il y a du Inter et du Lidl. Il y a vraiment pas grand-chose, mais c'était pour vous partager ça en fait, tout simplement. Bon, je prends ce qu'il y a à côté de moi. Alors chez Lidl, j'ai pris ceci de la marque Lux. Vous savez, c'est la gamme un peu de pour les fêtes, tout ça, ils font ces gammes-là. Voilà, donc c'est des Cappelletti White Ricotta et Truffe. Regarde s'il n'y a pas écrit en français. Pâte fraîche à farce de ricotta, truffe blanc. Je n'ai pas payé ça cher. Je crois que c'était moins de 2 euros. Bon, il n'y a que 250 grammes. Pour deux, c'est pas mal. Entre deux. Hein, ouais, complètement. Donc, voilà. J'espère que ce sera bon, moi. Oh, les produits de luxe, en général, ils sont pas mauvais. Donc, on verra ça. C'est bon. Ensuite, toujours chez Lidl, j'ai pris du comté parce que on adore le comté à la maison. Voilà. Donc, c'est un affinage 6 mois, appellation d'origine protégée, machin, je sais pas quoi. Donc, du comté. Ensuite, des trucs pareil de chez Lidl, ça sera pour offrir. C'est pour offrir, voilà, donc c'est des tuiles chocolat noir, tuiles chocolat au lait, voilà. Sans doute pour Noël ou pour, voilà, pour offrir. Peut-être qu'on s'y gardera pour nous, je ne sais pas encore, mais ça m'a l'air pas mauvais. Donc c'est des assortiments de tuiles chocolat noir, voilà, donc des tuiles chocolat noir avec la noisette, des tuiles chocolat au lait, éclat de caramel au beurre salé et au sel de Guérande. Donc voilà. Ensuite, chez Intermarché, j'ai pris des boîtes pour la moulette. C'est des Whiskas. Bon, c'est pour 1 an et plus. Hein. Voilà, alors, on a poulet, canard, volaille, dinde. Voilà. De la marque Whiskas. Il y a longtemps que je ne vais pas acheter cette marque-là. Donc, je suis avec la nourriture pour chat. Je vous montre celui-ci. Alors, ça, c'est des Félix. Il y en a un en moins parce que j'en ai déjà donné. Hein. Donc, ça, c'est des tendre et filet, je sais pas quoi, au bœuf, poulet, saumon, thon. Voilà, il y en a un de chaque. Je ne sais pas lequel que je vais donner, mais je vais donner cela. Ensuite, à Lidl, j'ai pris du jus de pomme, comme ça, en bouteille en verre. Alors, c'est saveur de nos régions, pur jus de pomme de Bretagne, 100% fruits pressés. Voilà, conditionné par, voilà. Voilà. Origine Bretagne. Voilà, très bien. Je pense qu'il doit pas être mauvais. Ça, je j'ai pris une préparation pour gâteau moelleux saveur citron. Voilà. Il est très bon celui-là. Hein. J'aime beaucoup. Voilà. C'est pratique ces trucs-là pour qu'on a envie de faire un gâteau. Pof, pof. Voilà. Donc c'est vite fait. C'est très bien. C'est bon pour qualité prix. J'ai pris de la lessive comme ça pour linge délicat parce qu'on en avait besoin à la maison pour laver tout ce qui est pull, tout ça un peu fragile, tout ce qui est écharpe fragile. Donc, il y avait le mire et puis j'ai pris celui-là. Du coup, j'ai pris le Apta, la marque Inter, laine et soie. Voilà, ça sent super bon. J'ai pris ce qu'on en a pu et c'est bien pour ajouter dans les gâteaux quand ils sont nature.
de l'arôme, pareil, de la marque de luxe de vanille, là. Vanille Bourbon. Voilà. J'ai pris des yaourts au fruit parce qu'on a, on a plus que des crèmes. On a que des crèmes, hein, je sais plus quoi. Ils sont pas gros. Hein. J'ai des tout petits yaourts. On a que des crèmes et tout. Voilà, donc c'est bien d'avoir aussi des yaourts comme ça. Donc, c'est des... La marque Envia, yaourt au fruit avec morceaux. C'est aux fruits jaunes, moi je préfère. Il y a abricot, poire, ananas et pêche avec morceaux. Voilà. On ne les a jamais pris ceux-là, donc on verra. J'ai pris pour ce soir, voilà, faire un repas mixé comme ça. On va faire un repas tranquille, quoi, un peu apérodinatoire. J'ai pris des grignotes de poulet comme ça. Alors ça, ils sont pas en solde. Alors c'est à discuter. Hop, ça vient de chez Lidl. À déguster chaud ou froid. Donc c'est grignotes de poulet rôti saveur au barbecue. C'est bon. Et c'est Nutri-Score C. Donc ça va, c'est pas non plus trop dégueulasse. J'ai pris cela à la mexicaine. Alors cela, ils étaient à moins 30%. Moins cher, manchon de poulet, machin, je sais pas quoi. Voilà, c'est rare. Oh, en général, c'est pas trop mauvais, ces trucs-là. C'est sûr que c'est pas extrême, mais bon, c'est ça, ça va. J'ai pris des cacahuètes de la marque Bouton d'Or. Celle-ci, c'est goût paprika. Et pareil, je vais remarquer que c'est que quand même une triste forcée. Hein. Voilà, donc grillé à sec, goût paprika. Ça, c'était en promo en gros format. Des breads comme ça. Ça, c'est mon chips préféré, la marque que je préfère. C'est des breads saveur sel et vinaigre. J'adore ce goût-là. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais nous, on adore ça à la maison. C'est pas mal. J'aime beaucoup. Ah, on aime beaucoup à la maison. Ensuite, en dernier article, j'ai pris des gâteaux apéro. J'ai fait le plein, voilà, pour le week-end et pour la week-end prochain. Voilà, bref. J'ai pris comme ça la marque Bouton d'Or tube. Goût nature. Voilà. Et écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Au revoir.